S'il vous plaît. Non. Oh, c'est vous, Corvo. Loué soient les étoiles. Nous pensions tous qu'il vous avait tué. À part Samuel. Il était sûr que vous aviez survécu. Je l'ai vu sur le fleuve un peu avant la tuerie. Il a été assez malin pour ne pas accoster, mais je parie qu'il est encore là-bas. À vous chercher, je dirais. D'abord, Pendleton a dit qu'on allait toucher notre prime. Havelock s'est mis derrière eux et, au signal, il les a tués d'une balle dans la tête. Comme il le faisait à l'entraînement. Lydia a à peine eu le temps de crier. Moi aussi, je serais morte. Si Wallace ne m'avait pas dit que je n'aurais rien. Pendleton s'est beaucoup excusé. Il disait que personne ne devait savoir ce qu'ils avaient fait. Martin buvait, il avait l'air triste. L'amiral allait tuer Callista. Puis il a marmonné quelque chose sur une dette envers son oncle, le capitaine Gurnow, je crois. Ils ont dit que c'était le moment pour Sokolov et sont allés à sa cage. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Émilie a assisté à la tuerie. Pauvre enfant. J'espère qu'elle s'est cachée les yeux. L'amiral a dit que Martin avait raison. Ils avaient dû en discuter. Et conclure qu'il risquait d'être exécuté, pour s'en être pris au Lord Régent et à ses alliés. C'est sans doute pour ça qu'ils vous ont empoisonné aussi. Je croyais que Lydia finirait par me balancer. Elle a juste dit à Havelock d'aller se faire foutre. Et elle est morte. Lydia est la seule à avoir été gentille avec moi. Je ne crois pas que l'amiral était au courant de mon existence. Je me cacherai ici aussi longtemps qu'il le faudra. Personne n'est en sécurité quand un homme est si près d'accéder au trône. Fais-moi signe si tu veux encore parier sur les chiens. Quelle journée. Il va y avoir une fête terrible ce soir. J'étais Gardos pour le dernier tour. Si on est encore en vie, t'as vu un peu ce bazar. Du carnage. Un des officiers a dit qu'il était mort. Empoisonné, jeté dans le fleuve. Si tu veux mon avis, il est parti depuis longtemps. Le masque à la baille est parti. C'est ce qu'une personne normale ferait, mais pas ce gars-là. Il faut comprendre son esprit criminel. Paraît qu'il cachait la fille Caldwin pour pas qu'il la trouve, tout le temps qu'ils ont travaillé avec lui. Il l'aurait enfermé dans une cage pour le laisser sortir que la nuit. Un esprit criminel. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il attend. Peut-être qu'il nous observe en ce moment. Avec son masque de cinglé, il s'approche petit à petit, de plus en plus, jusqu'à ce que... La ferme. Et puis, il a quoi de si génial, ce Corvo? Il a affronté qui? Un ou deux grands superviseurs, un ou deux nobles? Il résisterait pas à des hommes entraînés comme nous. Ah, tu vois, là, j'ai vraiment envie qu'il se pointe. Je veux te voir courir à l'abri en pleurant pour que les Tall Boys te protègent. Comme toi, l'autre soir. Tu voulais que je fasse quoi? Rester me pendre des cailloux? C'était que des gosses. C'était un gang. J'espère que le Lord Régent Havelock va envoyer les Tall Boys pour faire le ménage. Ce serait une nouvelle ère. C'est pas en mettant une gamine de 10 ans sur le trône qu'on va guérir la peste. D'après le grand superviseur Martin, si. Il dit qu'on a été maudit quand la magie noire de Corvo a tué l'impératrice. Que les rats resteront là tant qu'un vrai Caldwin ne régnera pas. Il dit que l'outsider ne lâche pas Corvo d'une semelle. Cette ville est maudite, ça c'est sûr. J'essaie encore d'oublier mon travail dans le quartier inondé. M'en parle pas. Avant de partir, je vais choper quelques bouteilles de vin dans la cave. Pour qu'on les emporte avec nous. Assure-toi d'abord que Corvo est pas caché là-dedans. T'as peut-être raison sur ce type.
essaie toujours d'entrer dans l'atelier Marie. Est-ce que l'état de la ville est ensemble? Piero Joplin est à l'intérieur. Je le pense. Sous 5 lettres de philosophe naturel. Nous avons la preuve qu'Anton Sokolov a été détenu ici contre sa volonté pendant quelque temps. Nous sommes en train de détail. Pareil, ma commission qu'il est là-dedans avec Piero Joplin. Si c'est le cas, et qu'il ne lui soit fait aucun mal jusqu'à ce que j'ai résolu l'affaire. Attention, l'endroit est peut-être piégé et je le veux en vie. Quoi d'autre? Oui, chef. Mes serviteurs ont été exécutés peu avant notre arrivée. Avec un coup de plat de la marine et un pistolet de petit calibre. On dirait que Corvo a perdu le contrôle. Passez ce bâtiment au peigne fin. Et isolez-moi cette zone, évidemment. Et châssis est déployé. Et soyez vigilants. Corvo est l'homme le plus dangereux de tout l'Empire. Et il n'a pas d'autre endroit où aller. Je croyais pas qu'on le reverrait. Il doit être rancunier. Toute l'affaire. Et puis ils ont pris Emily et ils sont partis. Je n'ai rien pu faire pour la protéger. S'il vous plaît, trouvez-la. Mettez-la en sécurité. Il a beau parler de son honneur de militaire. Havelock se servira d'Emily comme d'une marionnette à son avantage. Quelque chose a changé chez l'amiral depuis la mort du Lord Régent. C'est venu peu à peu. Martin était bizarre. Il se taisait dès qu'on s'approchait. Il discutait tard dans la nuit avec Havelock et Pendleton pendant que vous faisiez le vrai travail. Je crois qu'ils ont compris qu'ils étaient sur le point d'occuper la même position que le Lord Régent. Ils se sont inquiétés d'être tenus responsables de leurs actes, en tant que loyalistes. Ils m'auraient tué aussi, mais Havelock m'a épargné. Par respect pour mon oncle, j'imagine. S'il vous plaît, allez voir Samuel et les autres. Quelqu'un doit savoir où ils allaient. Trouvez Emily. Elle a beaucoup souffert et à part vous, elle n'a personne d'autre de son côté. Samuel a installé ça au cas où vous reviendriez. Vous pouvez l'appeler avec, il a dit qu'il arriverait vite. J'espère qu'elle trouvera un endroit pour accoster sans que les gardes le voient. La garde urbaine est partout.
Mais au point où j'en suis, je me moque qu'il me trouve. J'ai vu Samuel sur le fleuve il y a peu. Je suis sûre qu'il vous emmènera jusqu'à Émilie. Un dernier voyage, j'imagine. J'avais un but. Prendre soin d'Émilie. J'ai fait de mon mieux. Trouver Émilie. Moi, ça ira. Je n'arrive vraiment pas à croire qu'ils aient fait ça. Mais s'ils étaient prêts à tuer pour obtenir ce qu'ils voulaient, ils doivent être prêts à tout. Avec un égal est un vrai bonheur. Absolument d'accord. Votre expulsion de l'Académie était un crime contre toute la philosophie naturelle. Ce que vous auriez pu signaler à ce moment-là. Mais inutile d'être rancunier. Je voulais vous demander... À propos de l'élixir, oui. Et moi, je veux parler de votre tonique. Pourquoi ne pas avoir essayé la solution homéopathique? Oui, mais sur quel sujet? Je ne peux pas recruter dans les prisons comme vous le faites. Mais cela m'a obligé à travailler avec un autre agent, provenant de... Des raclures d'eau, oui, j'avais compris ça. Mais je crois que nos deux approches pourraient se compléter. Voilà ce qu'il nous manquait jusqu'ici.
savait bien que c'était trop beau pour être vrai. La conspiration s'est servie de moi sans vergogne et veut maintenant me jeter au rebut. Ils ont fait une grave erreur en m'offrant un allié presque aussi brillant que moi. Dès que nous serons débarrassés des brutes qui attendent dehors, Sokolov et moi filerons à l'Académie. Corvo, content de vous voir encore en vie. La ville ne serait pas la même si vous n'étiez pas avec nous. Je viens de terminer le travail de Pierrot sur un pylône foudroyant. C'était laborieux. Avec cet appareil, nous pouvons envoyer un puissant signal électrique dans le système nerveux, qui rend nos ennemis inconscients, ou bien les réduire en cendres. Je l'ai réglé de façon à ce qu'ils ne s'en prennent pas à nous. Il ne se déclenchera qu'en présence de nos ennemis. Le pylône foudroyant est plus puissant que l'ancien modèle. Il aura une plus grande portée et frappera nos ennemis tout en nous laissant indemnes. Il me faut ma séquence finale qui se trouve sur le plan de cet appareil. Havlok l'a consulté avant le massacre. Rapportez-moi ce plan. Il était dans sa chambre avant son départ. J'espère qu'il y est encore. Vous êtes peut-être à l'aise au combat, mais Sokolov et moi n'avons pas les mêmes talents. Sans le pylône foudroyant, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'en finisse avec nous. Nous pouvons le faire fonctionner, ou bien vous pouvez aller éliminer nos ennemis un par un. À vous de voir. Personne ne fait de ronde dans ce coin. J'espère que c'est pas une blague. Quoi ? Pourquoi personne ne fait de ronde dans ce coin ? Toujours moi qui m'y colle.